Le 17 avril dernier dans Marié au premier regard, Pedro a enfin rencontré Jefferson. Mais quelques secondes avant de dire oui au jeune homme, le candidat a été sous choc en découvrant un détail à son sujet. Les mariages se poursuivent dans Marié au premier regard. Et lors de l'émission du 17 avril dernier, les téléspectateurs ont suivi la suite des aventures de Pedro qui est compatible à 79% avec Jefferson. Mais le candidat n'avait pas très bien vécu le choc de l'annonce de son mariage avec un parfait inconnu. Je ne réalise pas, je ne me projette pas du tout. En général, quand je me projette, tout ne se passe pas comme je le souhaite, donc pour ne pas être déçu, je ne préfère pas me projeter, a expliqué Pedro, toujours traumatisé par son enfance avec un père violent avec sa mère, mais également par ses anciennes relations. Si est-il finalement après une discussion avec l'experte Estelle Dossin qu'il a trouvé la force de se rendre à la cérémonie de son union, à Gibraltar. Là-bas, il a enfin pu rencontrer l'homme qui partage beaucoup de points communs avec lui. Pedro cache sur sa réaction en découvrant l'âge de Jefferson, mais en découvrant Jefferson, Pedro a été bouleversé par un détail, son âge. Quelques secondes avant l'arrivée du maire, Jefferson a ainsi révélé qu'il avait 31 ans. Un choc pour Pedro, âgé de 40 ans, qui n'a pas caché son étonnement, mimant même une crise cardiaque. On a 9 ans d'écart, ce n'est pas rien. En général, dans mes précédentes relations, ça a toujours été des personnes un peu plus âgées que moi et à la base, je ne suis pas attiré par les plus jeunes, a expliqué le tapissier décorateur de profession. Lors d'une interview accordée à Gossip Room, le participant de la saison 7 de Marié au premier regard est revenu sur cette surprenante réaction. Alors quand j'ai su son âge, c'est vrai que j'ai fait une drôle de tête lors de la cérémonie. Et je me dis, waouh, 31 ans, ouais, c'est chaud quand même. C'est très jeune. Et je me suis dit, j'espère qu'il sera mature. Mais j'avoue que ça m'a surpris son âge, a-t-il expliqué. Une première appréhension qui n'a pas empêché les deux hommes de se dire oui. Bye.